Aura Makini. Waka. Makam. Il dit ça, si Abla. Hein? Abla, ça y est. Dans Abla. Donc qu'est-ce qu'on doit faire à Abla? Nous allons faire Waka. Bien Waka ici. Il dit, tu n'as pas de Non, c'est tout. Amen. Amen. Tu as attaché combien de personnes là-bas? Ça, c'est dernier. Non, les sorciers, il y a deux choses qu'on va dire. Oui, sont les membres de leur confrérie. On est non, les gens sont attachés là. Non, ça va. Oui, ils disent pas. Oh, ils disent pas. À qui ça n'est là? Dis-nous, les gens. Tu es déjà mouillé. Froid là, tu dois faire des sacs. À qui ça n'est là? Tu te dis dans l'eau. Tu appelles de quel froid? Quand on est froid, on va penser à toucher des eaux. De quel froid? Il dit deux personnes. Non, c'est trois. Non, c'est non ça. Mais quoi ça? Si c'est ça, tu dis c'est ça. Hein? Il dit c'est ça. Bâtiment, il a menti dans trois cas. Ben non, non, non. Mathieu, on va bien. On va bien. On va bien. J'ai fini, Bâtiment. Tu m'as un peu. Non, je vais bien aller. C'est ça, c'est le sujet, Mathieu. Non, 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 c'est bien bon. J'ai l'attrapé, sorcier. Je m'en vais devant tribunal. Menti tes dents. Moi, moi, il y a un moment. Dis-y, Amen. C'est ça que Blanc a dit bon. Comme eux, ils parlent beaucoup là. Hein? Comment va détecter les mensonges? C'est le blanc à ça. Est-ce que vous voulez moi? Chez les blancs, quand on commence à parler, on va apparaître. Ok, bah écoute, j'ai entendu. C'est là. Vous parlez d'apparaître des blancs, puis prends ça là. Ah, putain, ça va casser, apparaître. Ah, on est bêtis. C'est pour les blancs, ça va. Nos sorciers ici, avant apparaître. Ça va, c'est un peu. Ne pas moi, je suis à la Guibéroa, à Saïwa. Et moi, Saïwa. On a pris caméra. Où il est? Il prend caméra, il suit l'esprit des dragons. L'esprit, on crée. L'esprit en train de partir dans le sol. Il filme. Caméra l'a filmé lui-même. Moi qui suis dans l'Aïs, nous on prend caméra, c'est lui-même qu'on voit dedans. On va courir derrière. On va te faire des choses. Il voit, il dit, mais mon ami, c'est quoi? Il ne comprend pas. On est venu de prier. C'est une tablette, c'est pour la réplique. On a vu le film. Quoi? Esprit a dit, moi, t'as même filmé, t'es malade. C'est là toi t'as venu jouer. Ils ont fini de tuer l'appareil. Voilà, mais ok. Oh, moi, dans mes débuts, les appareils, ils cassent ça vite, vite. Tu filmes, c'est blanc. Et non, il y a un plan, c'est bien. Parce que moi, quand j'ai mes appareils, je pose un autre prototype. Non, quelqu'un, sinon ceux-là, ils ont fini de détruire l'image. Mais moi, on est bien, on comme même ça. Quand tu les filmes, ils détruisent ça. Ils essayent de checker demain. C'est ce qui va faire la vie devant eux. Donc, tu es où? Ça va? Tu as menti beaucoup, c'est pour toi. Non, il y a tout le monde. Pourquoi tu as peur? Tu as peur? De qui? Tu veux manger encore bien de l'homme? Hein? Tu veux plus manger? Donc dis la vérité, voilà. Voilà. Ok. Tu es fatigué, non? Tu es sorcellerie. Tu es fatigué. Tu es sûr? J'ai jamais été fatigué. C'est pas tout, Diana. C'est pas tout. Hein? Tu vois, tu mentis encore dans ça. Quand je n'ai pas tout, tu manges. Tu n'as pas quelque chose, tu peux pas tout, tu manges. C'est pas tout. Elle est pour lui. Viens dans cette douche. Oui. C'est pas le bouquet, ma chérie. Elle est là-haut. Elle est là-haut. Elle est courageuse. Mais oui, je vais en tête. On va bien aller. On va en premier. On vous prend. Cheval. Tu m'en as un programme. Habillé, sorcellerie. Après, c'est vite. Et quand c'est comme ça, on pense que tu es sorcier.
Pas tout le monde qui a ce pouvoir de la destruction des œuvres de la sorcellerie. C'est pas tout le monde. Toi, tu es étonné. Il voit vie. Sinon, lui-même n'a pas ce pouvoir-là. T'es dit que tu es dedans, t'es pas dedans. On lui dit. Parce qu'il apparaît, puis il apparaît. Amen. Voilà. Il y a des gens, ils ont le pouvoir de flair des sorciers. Il ne peut pas reconnaître, identifier son sorcier. En semaine, j'étais étonné de voir les femmes qui m'ont appelé de la France. Non, le pasteur, il ne peut pas en venir en Côte d'Ivoire. Un pasteur, s'il vous plaît, les sorciers nous tuer. J'ai dit, le pasteur, en cas de désespoir. Parce qu'ils nous donnent la peur, les sorciers. Lui, il fait la promotion de la sorcellerie. Un pasteur qui dit, je ne peux pas venir par les sorciers te tuer. C'est que lui, il met la crainte des sorciers dans ton cœur. Ici, là, nous, enseignants, n'avons pas craint les sorciers. Tous ceux qui passent ici ne craignent plus les sorciers. Un sorcier a besoin qu'il vienne à Abidjan. Tu es à Paris, il ne pas l'avion, il te manque. Un pasteur qui fait ça, ce n'est pas un bon pasteur. Le pasteur doit t'enseigner que toi, tu as le pouvoir. Tu dois venir. Montrer aux sorciers qu'ils ne sont rien. Amen. C'est ce qu'ils vous enseignent, ils ne sont rien. Pourvu que tu es Jésus, eux ils sont rien. Il n'a pas programmé, toi tu viens de dire ça. Amen. C'est ce qu'ils vous enseignent ici. Le sorcier programme. Moi j'ai dit aux sorciers, je ne t'empêche pas de programmer. Mais moi je veux pas de programmer. Amen. Parce que nous avons le pouvoir, les deux grands pouvoirs. C'est la programmation, la déprogrammation. Il est installé. Le gars du cadre ne s'est pas arrangé. Parce qu'ils ont un seul pouvoir. Le pouvoir de la programmation. Le pouvoir de la déprogrammation. Est-ce que ma grâce est ça? C'est pas un bon signe. Le pas ils ont le pouvoir de la programmation. Il n'a pas le pouvoir de la déprogrammation. Mais quand même, Jésus-Christ, quand vous lisez Matthieu 16, verset 19, il dit, je vous ai donné la clé du royaume. C'est très intéressant. La clé, quand vous avez une maison, et puis avoir un champ, et puis plusieurs champs, un salon, grand salon, et puis plusieurs champs. Donc la clé du salon, c'est pas celle-là qui est bonne et pour le champ. Mais je te donne la clé du royaume. Donc c'est toi maintenant qui dois ouvrir. Tu as la possibilité, le pouvoir de parler à tes affaires. Tu peux commander à l'argent de venir, ça va venir. Amen. Le monsieur refuse, ça va venir. Parce que Jésus t'a donné le pouvoir et la clé. Mais il dit tout ce que tu lis sera lié. Amen. Et tout ce que tu délies sera délié. Donc il t'a donné. C'est toi maintenant qui dois exercer. Tu as la clé de cette maison. Et que tu pleures. Tu as vu les rentrer dans la maison. Pour entrer, qu'est-ce qu'on fait? On dit, eh pardon, tu es devenu fou ou bien quoi? C'est fermé, le dit oui. Qu'est-ce que dans ta main? La clé de quoi? Tu peux ouvrir. Mais tu vas oublier. Il n'est pas fou. C'est un fou, voilà. Et c'est comme ça le comportement de certaines personnes. Vous avez cette clé. Amen. Dis amen. Dis amen. Sur ça, devant une situation, je ne panique pas. Même j'ai la possibilité de ordonner. C'est compliqué, je ordonne. Le sorcier a le pouvoir, il connaît le pouvoir de la parole. Le sorcier parle, ton âme vient que ça vient facilement. Il connaît le pouvoir de la parole. Tu as ce pouvoir. Parce que le commencement était la parole. Et la parole est avec Dieu, la parole est Dieu. Amen. Dieu a utilisé la parole pour créer. Et le semeur sème la parole. Et vous avez cette parole, faites cher Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez l'acclamer? Donc vous avez le pouvoir. Amen. Donc si tu as Paris, tu as l'Union. Tu vas avoir peur. Si ils vont programmer, toi tu déprogrammes. Écoutez bien, quand vous lisez Isaïe 43, la Bible même dit, même si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Amen. Donc, Jésus-Christ
Il ne te dit pas d'avoir peur des sorciers. Au contraire, quand tu as Jésus-Christ, ce qui est en toi est plus fort que ce qui est dans le sorcier. Dans un pasteur, combien soit du grand nombre de Dieux, il te dit, mais au final, à cause des sorciers, c'est pas un bon pasteur. Tu ne connais pas la sorcellerie. C'est une œuvre d'esprit. Il n'y a pas besoin que tu viennes au village. Dieu dit au village que tu rentres visite à la maison. La personne dans les adieux, vous avez entendu la parole. Depuis Divo, il s'est rendu à Poitiers. Il est sa victime. Est-ce qu'il y a la sorcellerie qui est à la Paris? Vous comprenez? Vous même son visa. Oui, la vie, quand tu cours à l'ambassade, ils sont déjà partis. Mais moi, on dit, okay. Ils sont déjà de retour. Elle dit oui. Je te dis quoi? Si tu es en France, tu m'écoutes. Parce qu'aujourd'hui, votre problème, les pasteurs vous effraient parce qu'ils vous maintenez dans une prison. Et puis, prends vos héros et ces simples, ils sont bien habillés. Et puis, ils ne veulent pas que tu investis au pays. C'est ça le problème. Mais ils viennent, tu vas investir au pays. Et vous devenez les esclaves de ces faux pasteurs-là. En France, en Italie, à New York. Il ne faut pas venir. Il faut venir investir. Il faudrait qu'on vous enseigne que vous avez le pouvoir sur la sorcellerie. Et c'est le pasteur qui ne vous enseigne pas ça. Il ne connaît pas la Bible. Parce que la Bible déclare que ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le sorcier. Amen. Moi, le sorcier me dit, il va me tuer. Il dit, moi, je programme la mort sur toi. Amen. Vous avez compris? Il dit, ah, tu as programmé, non? Moi, je programme ça sur toi. C'est pour toi qu'il va marcher. C'est pas ça? Parce que Jésus l'a vaincu. Jésus a vaincu le sorcier. Il t'a donné le pouvoir sur le sorcier. S'il programme la mort retournera dans son camp. Amen. N'ayez pas peur. J'ai dit sorcier, n'ayez pas peur. Vous avez programmé un accident contre moi, si ma vie. Vous avez programmé ça. Et l'accident que j'ai fait sur l'autoroute, sorti de route 4 fois. Ceux qui sont venus chercher des corps. C'est que là, je vous ai monté la vidéo. Je suis sorti. Ésaïe 54, verset 17 dit quoi? Que danger contre toi sera ça. Mais pourquoi avoir peur de venir en Afrique? Pourquoi avoir peur de venir investir? Pourquoi avoir peur d'aller au village? Puisqu'on a celui qui est plus fort. Dis amen. On a celui qui est plus fort que Jésus. Il est dans notre vie. Et c'est ça qu'il faut parler à la maladie. Le jour où on te dit que cette maladie te mène à la mort, fais comme le roi Ézéchias. Dis non, je refuse. Parce que Jésus a vaincu la maladie. Dis amen. Vous devez refuser. Parce que la Bible déclare tout ce que tu ne permettras pas sur la terre ne sera pas permis dans le ciel. Tout dépend de nous. La femme qui allait toucher le vêtement de Jésus, elle n'a pas consulté Jésus. Elle n'a même pas consulté Jésus. Elle savait que c'était lui le pouvoir. C'est tout. Elle a exercé sa foi. Elle a touché Jésus. Elle était guérie. Qu'est-ce que ta foi te dit? Qu'est-ce que ta foi te dit? Non, ma foi me dit Jésus est ressuscité. Alléluia. C'est ça ma foi. Je crois bêtement à la promesse de Dieu. Je crois bêtement à la puissance de Dieu. Je crois que Jésus est fort. Je crois qu'il est puissant. Je crois qu'il n'y a pas d'autre puissance en dehors de la sorcellerie. Pourquoi on va perdre la sorcellerie? Pourquoi on va perdre les fétiches? Amen. Moi je vois tes fétiches. Il y a ça dans la main. Je jette. Ça ne peut rien contre moi. Isaïe 54, verset 17. Ça ne peut rien contre toi. C'est dans toi que je parle. Rien contre toi. Jésus t'a pas appelé pour jouer à toi. C'est pas un menteur. Si aujourd'hui tu ne vas plus chez les marabouts, tu t'es protégé. Tu ne veux plus chez les pasticheurs. C'est une situation normale. Parce que c'est des menteurs de te tuer. Les marabouts, c'est des menteurs. Ils ne veulent pas vous protéger. La seule protection, c'est à Jésus. Il te blague, il dit la nuit, mets-toi nu. Va dans un carrefour, prends un canari, lave-toi. Marche en arrière comme voiture. Il te maltraite la nuit. Il t'est mis comme un sorcier. Le marabout te maltraite. L'eau, il y a asticot dedans, ça sent sur toi. Tu bois un asigi,
Tu es rempli de rassasié de l'acide. Comme un forêt petit chien béninois. Tu bois. Ça n'existe plus en Jésus. Alors si tu ne fais plus ça, Christ assure ta protection. Dis amen. Il assure ta protection. La Bible dit quoi? L'ange de l'Éternel campe au-dessus de ceux qui les prennent. Les arrache du danger. Quand il y a un danger, Dieu te délivre. Il dit le malheur attendra parfois le juste, mais l'Éternel en délivre tous les jours. Je te délivre tous les jours. Ça vient, mais Dieu te délivrera tous les jours. Dieu ne permettra pas que tu aies honte. J'ai dit, imaginez où il y a fait accident. Tous mes sorciers l'avaient dansé. C'est nous. C'est nous quand Dieu est classé la fois. En quoi Dieu est glorifié s'il fait accident? La gloire doit revenir à Jésus-Christ. Je lui ai dit, tu es dans ma vie, c'est pas un amusement. Ma vie doit témoigner de ta gloire. Je vais te parler de ma vie, que les gens reconnaissent que tu es puissant. Dis Jésus, dis amen. Dis j'ai Jésus. J'ai Jésus. J'ai pas entendu. Dis j'ai Jésus. J'ai Jésus. Non, j'ai pas entendu. J'ai Jésus. C'est vraiment du bal. Qui est d'accord? Amen. Le lion, qu'est-ce qu'il fait? Il rugit. Je vous parle des caractéristiques d'un lion. Je vais vous parler du lion. Écoutez-moi très bien. Je vais vous parler du lion. Laisse-moi parler. Vous avez dit que le lion rugit, n'est-ce pas? Mais laisse-moi vous dire que le lion mal ne chasse pas. Qui est d'après moi? C'est la femelle qui chasse. Le lion mâle ne chasse pas. Le homme ne porte que là. Tu ne l'as pas dit amen. Le lion mâle ne chasse pas. Qu'est-ce qu'il fait? Lui il est là, il rugit. Quand le lion rugit, même les ors, les insectes, tout reste silencieux. Il y a une force dedans. J'ai une force dedans. C'est ça qu'on appelle le roi de l'art du forêt. Le roi de la forêt. Le mâle ne chasse pas. C'est la femelle qui chasse. Le mâle rugit. Quand le lion commence à rugir, c'est une force du sort. Ça tétanise tout. Les insectes, tout le monde a peur. Vous êtes allé voir au zoo, vous avez vu un lion rugir. Il est dans mais tu as peur. Tu te vois déjà en train de manger. Il rugit. Amen. Jésus, il y a le lion de la tribu de Dis amen. Dis amen. Amen. Et l'épouse. L'église. Et l'épouse de Jésus. Donc l'épouse que nous sommes, l'église, nous sommes la femelle du lion. Dis amen. Dis amen. Tu es la femelle du lion. Jésus rugit. Il détruit tout sur ton chemin. Et c'est toi. Toi maintenant la bénédiction. Dis amen. Jésus rugit. Il tétanise tout sur son chemin. Il détruit la sorcellerie. Amen. Amen. Nous allons toucher la parole de Dieu. Dis amen. Si quelqu'un est content qu'il acclame le Seigneur. Nous allons à mon point le verset 6. Amen. C'est une bénédiction de connaître Jésus. Dis amen. 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 Amen.
Quand je suis dans la présence de Dieu, je me couche dans sa présence. Et je lui dis merci. De t'avoir révélé à moi. Parce que je sais qu'il est. Vous ne savez pas ce qu'il représente. Tu ne sais pas ce qu'il représente. C'est pour ça que tu te balades. Tu balades Jésus. Hier soir, j'étais là, mes amis, je ne dis pas le nom. Mais sont des camarades que j'aime bien. Ils sont balétisés, ils sont venus dire bonsoir, prophète. Bon, bonsoir, ça m'a soulevé. Ah, bon, Odeur que ça se vous là. Bonsoir. C'est bon. Non, ne plaignez pas la vie chrétienne comme un amusement. C'est vous qui faites que les sorciers vous voient en choukouya. J'ai envie de vous manger. Pas qu'ils ne voient pas Jésus en vous. Il n'y a rien qui le fait. Tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique. Toujours est ça. Mais tu es exposé au Dieu. Amen. Amos 3, le verset 8. Lisez-moi la parole. Moi, je sais ce qu'il représente pour moi. Il n'y a pas un sorcier qui me freine. Quand il fait « moi, il fait 10 fois « Amen. Moi, j'aurais dit toujours les sorciers. Il dit, toi, Asie 47, si tu es prêt, je suis prêt, viens. Je vais te lutter, ma parole va te lutter 1000 fois. Tu es féticheur béninois, le jour que tu me rencontres, tu acceptes Jésus. Non, béninois, féticheur. Tu es marabout, grand marabout du Mali, du Bénin. Le jour que tu vas me rencontrer, je vais te montrer le pouvoir que j'ai dans Jésus. Je ne vais pas te dire Jean 3, verset 16. J'ai ordonné à tes démons partir. Tu as tourné sur toi comme ça. Le jour où tu vas me rencontrer, j'ai chassé tes démons de sorcellerie. Amen. Vous avez ce pouvoir là, vous jouez ça. Vous avez le lion de la tribu de Juda avec vous. Et le lion qui a déjà rugi, qui a déjà détruit la présence. Vous en tant qu'épouse, c'est de posséder la bénédiction. Quand le lion rugit, allons-y, écoutez-moi, écoutez la parole de Dieu. Le lion rugit. Oui. Qui ne serait effrayé? Qui ne serait effrayé? Alléluia! Amen. Qui ne serait effrayé? Non, non. Et il rugit, le sorcier a peur. Il est effrayé. Il est dans la vie. C'est le lion de la tribu de Juda.